are particularly honored to receive as many distinguished guests and participants. Du 11 au 13 mai 2011, l'Institut des sciences de l'entreprise et de management de l'Université Montpellier a accueilli en partenariat avec le groupe Subdeco Montpellier Business School, l'IAE de l'Université Montpellier 2 et la Caisse d'épargne la 28e conférence internationale de l'Association française de finances, l'AFFI. 10 years ago, when I was in the United States at the University of Texas at Austin, some friend of mine made fun of me, arguing that Montpellier was not even on the map. Fortunately, many of you have been able to find Montpellier. 150 conférenciers, précisément de 13 nationalités, ont trouvé le chemin du quartier Richter. Parmi eux, les plus grands noms de la recherche en finance, une consécration pour la ville organisatrice. L'AFFI cherche aussi à développer sa finance vis-à-vis de l'extérieur, d'accord ? Elle cherche à promouvoir donc la recherche en finance vis-à-vis également de l'extérieur et des autres universités. Donc pour nous, c'est l'occasion d'accueillir ces enseignants-chercheurs d'autres universités et de montrer un petit peu quel est l'état de la recherche en finance, notamment en France, mais aussi en essayant d'écouter ce que font les autres dans d'autres pays. Parmi les invités de marque, les keynote speakers, le professeur Denis Grom de l'INSEAD, il a présenté ses derniers travaux sur la crise financière actuelle en Europe. One share of French asset, I get the expected return and I'm bearing the dividend risk. But arbitrageurs don't just go long in the French asset. They long the French asset and short the Spanish asset. So they get the expected return of the French asset minus the expected return of the Spanish asset, but the Spanish asset expected return is the opposite of the French asset, so minus times minus, they get two times the expected return of the French asset. What about the dividend risks? Long in France, short in Spain, the dividend risks cancel out. And so these positions are actually risk-free. This is risk-free arbitrage. Tous les gens qui sont ici sont en même temps les chercheurs et les enseignants. Donc, on a une responsabilité en tant qu'enseignant, en tant que formateur de gens qui, pour une partie, vont travailler dans l'industrie financière. Parce que nos étudiants sont très demandeurs, ils veulent comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on est dans une crise? Est-ce que c'est les problèmes de gouvernance? Est-ce que c'est d'autres problèmes, pas uniquement les problèmes de gouvernance? Est-ce que c'est des problèmes de réglementation? Est-ce que c'est des problèmes de macroéconomie? Est-ce que ce sont les banques centrales? Ça, c'est vraiment des questions de recherche, mais qui sont très pertinentes pour notre enseignement et pour les gens qui suivent nos cours, évidemment. Autre moment privilégié, la vingtaine de sessions parallèles. Elles ont permis à quelques 100 enseignants-chercheurs de présenter un papier, un projet d'article de recherche. Alpha, at period 1 and 2. Le professeur Jimmy Ho a participé à la conférence de l'année dernière. Il connaît les bénéfices qu'il retirera de l'exercice. I am presenting a new paper, and I've come to the conclusion last time that there were a few academics in my field who would be able to provide helpful and valuable comments on this new paper that I have just completed. And in fact, I presented earlier today and I got some very helpful suggestions, not only for the current paper, but suggestions towards how to extend that paper towards future research. Ces articles ont vocation à être publiés. Donc le congrès, c'est l'occasion d'avoir un retour, le regard d'autres chercheurs. Et donc c'est la possibilité d'améliorer cet article à des fins de publication. À l'heure d'Internet, certains ont parcouru des milliers de kilomètres pour un irremplaçable face-to-face. Firstly, it's very nice to. I haven't participated in a conference in France before. It's very nice to see what people are working with here, and to see work by others. So, and obviously also to get some comments myself, and then benchmarking our paper. So basically, to get a view of what's being done here. I met some people that I've always read their work, and they said, oh yeah, I've actually read yours, but we never met. And finally we meet and we can discuss things and maybe launch new ideas together. I mean, at McKinsey at some point they were doing everything by email. They decided that email was cheaper than actually people talking and meeting at the coffee machine. Ça a l'air d'être un effort solitaire, mais en fait c'est vraiment un effort de groupe parce que tout le monde, toute la communauté des chercheurs auxquels vous présentez vos travaux, vous aide
en vous faisant des commentaires, en vous donnant des idées, parfois en vous donnant des données, parfois en des données financières ou économiques sur lesquelles vous pouvez travailler et avec lesquelles vous pouvez améliorer vos travaux. C'est vraiment, il y a un gros effort, il y a un gros effet de motivation également. En fin de congrès, cet éminent universitaire texan est rentré dans l'histoire. C'est la première fois depuis que l'ISEM a été créé, depuis que l'ISEM existe, que l'ISEM eh bien, est à l'origine donc, de l'attribution d'un titre de doctorat honoris causa. Une cérémonie solennelle où le professeur Santis a pu congratuler son maître, le professeur Tittmann. Étudiant en débat, je me souviens avoir travaillé ces articles très tard dans la nuit. The first step that people like me are taking in terms of identifying efficiencies, inefficiencies, and portfolio strategies that correct that inefficiency is just one minor step. Okay, what we really want to think carefully about is how the financial markets allocate capital, how they allocate labor, and how market efficiency is related to that. I suggest that the researchers try to get very, very involved in issues that are related to public policy. Issues about regulation and think very, very carefully about economics and public policy and regulation and how all that interacts. Des conseils précieux de nouveaux axes de recherche au plus haut niveau international pour ces équipes de financiers montpelliérains aujourd'hui réunis dans un même laboratoire. Ce congrès, son organisation, sont la manifestation tangible de ce qui se passe à Montpellier aujourd'hui. En effet, les chercheurs en finance de Montpellier 1, de Montpellier 2, du groupe Subdeco Montpellier se sont réunis il y a un an maintenant dans un laboratoire unique Montpellier Recherche en Management, résultant de la fusion de 4 équipes d'accueil qui existaient auparavant. Et ces chercheurs, réunis dans un même laboratoire, ont organisé ensemble cette 28e conférence de l'AFFI. La conférence de l'AFFI a confirmé ce pôle de recherche d'excellence où le groupe Subdeco Montpellier Business School a toute sa place comme une force de frappe sur laquelle aujourd'hui la communauté scientifique internationale doit compter.